Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de webconférence dédiée aux maladies rares. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bienvenue pour cette webconférence sur la maladie des os avec le docteur Laurence Legemallet, le professeur Valérie Cornudet et le docteur Geneviève Boja. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran ou à lever la main et dans ce cas-là, nous activerons votre micro et votre caméra si vous souhaitez poser votre question en live. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Je vous propose qu'on repasse un mini tour de table pour se présenter individuellement. Geneviève, si tu veux commencer. Donc, moi, je suis docteur Geneviève Boja, je suis pédiatre de formation et je travaille dans le centre de référence maladie osseuse constitutionnelle depuis 15 ans avec notre équipe et donc particulièrement impliquée dans le diagnostic anté et postnatal et dans la prise en charge des enfants portant des affections osseuses constitutionnelles. Bonjour, donc je suis Laurence Legemallet, je suis directeur de recherche, donc je suis chercheur et donc je m'intéresse aux pathologies osseuses depuis plus de 20 ans et je dirige avec Valérie Cornudet une équipe de recherche dans l'Institut Imagine. Et bonjour, je suis Valérie Cornudet, je suis généticienne clinicienne, je coordonne le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles. Et je co-dirige avec Laurence l'équipe de recherche qui s'y consacre. Donc, on a choisi tout d'abord que je vous brosse un petit tableau général des maladies osseuses. Puis, Laurence reviendra sur les essais cliniques, précliniques. Et Geneviève reparlera de la prise en charge. Alors, les maladies osseuses constitutionnelles sont par définition des maladies rares. Elles peuvent être individuellement très rares et il existe aujourd'hui plus de 467 entités différentes reconnues. Leur prévalence, toutes étiologies confondues, est estimée à 1 pour 5 000 et puis il en existe 3 ou 4 qui sont plus fréquentes, l'achondroplasie par exemple, la maladie des os de verre ou l'ostéogenèse imparfaite, la maladie des exostoses multiples et certaines d'autres sont décrites dans les familles uniques et sont extrêmement rares. Elle se manifeste à tous les âges de la vie, de la période anténatale à l'âge adulte, le plus souvent par une insuffisance staturale qui est en rapport avec un défaut de croissance des os longs, mais d'autres symptômes peuvent être au premier plan du tableau clinique, tels que des douleurs, des déformations, des scolioses, des incurvations, ou bien encore des limitations articulaires ou des fragilités osseuses avec des fractures. Et elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire. C'est ce qui a conduit à la création du Centre de référence maladies osseuses constitutionnelles en 2004, grâce au Plan national maladies rares 1. Ce centre de référence regroupe des expertises diverses qui sont nécessaires dans la prise en charge de ces enfants. Généticiens, cliniciens, bien sûr, pédiatres, rhumatologues, orthopédistes, neurochirurgiens, ORL, radiologues, et j'en oublie, en lien toujours avec les associations de patients. Et nous avons pu mettre en place un réseau national. Outre le centre coordonnateur de Necker, il existe 2 sites constitutifs à Paris, Lariboisière et Cochin, qui sont 2 sites adultes et avec qui nous avons spécifiquement organisé la transition. Et puis, 21 centres de compétences à l'échelon national, ce qui permet un maillage national et ce qui permet une prise en charge d'expertise localement. Donc, ces centres de référence ont un réseau de spécialistes mis en place localement dans tous les domaines dont je vous ai parlé précédemment. Nous nous réunissons tous les 6 mois au cours d'un intermoc et nous partageons ainsi des difficultés diagnostiques, des questions de prise en charge. Et nous avons également un staff hebdomadaire en ligne dédié aux demandes d'avis diagnostique et aux demandes de prise en charge. Et nous avons mis également en place des staffs d'expertise avec les orthopédistes ou avec les neurochirurgiens, par exemple, un staff destiné à la charnière, avec des consultations également communes avec ces différentes spécialités. Après, notre grande question sont les questions de diagnostic. Le diagnostic, il est avant tout clinique et radiologique. Et pendant longtemps, on s'est vraiment arrêté un diagnostic clinico-radiologique, mais grâce à l'avènement des nouvelles technologies, nous avons maintenant accès à un diagnostic moléculaire qui nous permet une affirmation diagnostique rapide, très importante pour l'orientation de la prise en charge,
est très importante également pour le conseil génétique et pour éventuellement proposer un diagnostic prénatal moléculaire si besoin. Et nous avons également la possibilité, dans certaines indications très particulières, et grâce au plan France Médecine Génomique 2025, d'offrir une analyse plus large du génome dans le cadre d'une pré-indication MOC. Nous faisons partie d'une filière, la filière santé maladies rares OSCAR, pour os, calcium, cartilage, qui comprend deux centres de référence. Le centre de référence dédié au métabolisme phosphocalcique, dirigé par le professeur Linglard à Crémin-Bicêtre, est notre centre de référence. Et nous faisons partie également d'un réseau européen, European Reference Network BOND, qui est dirigé par Lucas Chongiorgi. Alors, nos priorités, elles sont de deux ordres. Un, l'amélioration de la prise en charge, avec la nécessité de décrire les histoires naturelles de ces maladies, de mettre en place des calendriers de suivi, des protocoles de diagnostic et de soins, et je laisserai Geneviève en parler à la fin de cet exposé. Et deux, le développement de nouvelles perspectives thérapeutiques. Et là, notre chance, c'est qu'on est en lien extrêmement étroit et direct avec le laboratoire de recherche. Nous sommes localisés au premier étage et le laboratoire au troisième, on est tout le temps dans les escaliers. Et ce va-et-vient nous permet d'intégrer parfaitement le centre de référence au projet de recherche pour revenir aux patients et de développer les études fonctionnelles, de générer les modèles, puis les essais précliniques. Et je vais laisser Laurence Legémalet aborder la question des essais précliniques. Merci. Oui, en effet, le rôle du chercheur, c'est d'apporter un complément à tout ce merveilleux travail d'identification de gènes, d'histoire naturelle, et d'apporter des solutions éventuellement thérapeutiques pour ces patients. Donc, quel est le rôle du chercheur? Eh bien, c'est tout d'abord de mettre en place des outils pour essayer de comprendre la pathologie. Donc, c'est ce que dans l'équipe nous avons fait, c'est-à-dire mettre en place des modèles cellulaires particuliers, c'est-à-dire on a utilisé les cellules du squelette, c'est-à-dire les chondrocytes et les ostéoblastes, et on a pu mettre en place des lignées bien particulières qui nous servent pour comprendre les impacts de ces mutations de ces gènes sur ces cellules. Et puis, c'est des modèles animaux. Alors, il y en a différents qui sont utilisés en pathologie osseuse. C'est le modèle souris, dans lequel nous savons aujourd'hui introduire des mutations et obtenir des modèles qui miment la pathologie humaine. Et puis aussi, aujourd'hui, on a accès à un autre modèle qui est le poisson, qui est très intéressant pour le squelette axial, c'est-à-dire la colonne vertébrale, et aussi le crâne. Alors, quand on a des modèles comme cela, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes d'après? Eh bien, quand on a compris un peu le mécanisme qui est perturbé par ces mutations, eh bien, on envisage des approches thérapeutiques. Donc, moi, je vais vous donner un exemple qui est la chondroplasie parmi les trois pathologies les plus fréquentes que vous a citées Valérie Cormier-Der. Donc, la chondroplasie, le gène a été identifié ici à Necker en 1994, donc ça fait très longtemps maintenant. Et on a eu des idées, des approches thérapeutiques intéressantes à tester. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ce qu'on appelle un travail de préclinique. Préclinique veut dire que, eh bien, on traite nos modèles, les cellules, nos modèles animaux avec ces molécules et on regarde si on est capable de restaurer un déficit de croissance. Ça a été le cas pour plusieurs de ces molécules et donc nous avons conduit 5 études précliniques pour des approches thérapeutiques qui sont un peu différentes, qui ciblent de façon différente la plaque de croissance et l'os. Et ceci a conduit à la fin à ce qu'il y ait aujourd'hui 5 essais cliniques qui sont aussi gérés dans cet institut. Et donc, je vais laisser Geneviève parler et vous présenter ces essais cliniques. Donc, effectivement, une large part de la prise en charge dans le centre de référence maladie osseuse constitutionnelle, c'est l'étape suivante de ce que vient d'écrire Laurence avec l'essai chez les personnes portant ces affections dans le cadre d'essais thérapeutiques très largement organisés par des compagnies pharmaceutiques internationales et qui vont ouvrir plusieurs sites dans différents continents, différents pays pour tester
sur un petit nombre de patients de façon extrêmement rigoureuse ces médicaments. Dans ces médicaments, il y a des médicaments qui avaient déjà été utilisés dans d'autres indications pour lesquels on avait donc un petit peu de... on avait déjà des idées de pharmacologie, de tolérance, mais pour bon nombre aussi de ces médicaments, ce sont des médicaments, des produits, ce ne sont pas encore des médicaments, des produits tout à fait nouveaux. Et donc, l'objectif est avant tout de regarder la tolérance et les bonnes doses de ces médicaments. Donc, ce sont des étapes qui sont prédéfinies, qui prennent plusieurs années. Et on peut redire que le développement de ces médicaments entre le moment où il sort du laboratoire de recherche fondamentale et le moment où il va être mis sur le marché, c'est 5 à 10 ans, voire plus. Donc, c'est extrêmement lent parce qu'il faut vraiment garantir la bonne utilisation, pas d'effets secondaires ou des effets secondaires minimes bien tolérés et une efficacité démontrée. Voilà, donc cette partie-là est gérée dans notre équipe par une équipe de recherche clinique avec des personnes qui s'assurent justement du bon déroulement de ces phases avec toute la sécurité et la rigueur qui leur tient. Alors, à part la recherche clinique pour ces nouveaux médicaments, nous avons aussi une part de recherche clinique dédiée à l'amélioration de la connaissance de ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est-à-dire de la progression des signes et des complications de ces pathologies osseuses chez les personnes à l'âge pédiatrique et à l'âge adulte. Donc, plusieurs études sont faites ainsi dans notre centre de référence, en collaboration avec d'autres sites du réseau maladie osseuse constitutionnelle de français, pour justement mieux préciser ce que vont devenir les personnes et d'optimiser le suivi et les prises en charge thérapeutiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les études d'histoire naturelle. Et puis, bien sûr, le reste de notre activité de prise en charge concerne la prise en charge des patients habitant en Île-de-France, la prise en charge particulière aussi des patients ayant des cohortes, issues des cohortes, c'est-à-dire suivies pour des pathologies particulières sur lesquelles on souhaite aussi améliorer la connaissance de certains points et puis créer des outils, des ressources qui permettent de diffuser, d'informer, de mieux former nos différents partenaires professionnels médicaux qui participent à la prise en charge sur tout le territoire. Donc, on fait ce qu'on appelle des calendriers de suivi, des cartes d'urgence, des PNDS qui sont des petits documents assez fournis se référant à tout ce qui a été publié sur le sujet et validé. On fait des tutos également. On travaille beaucoup avec les professionnels périmédicaux. En tout cas, on essaie d'augmenter ces interactions parce que c'est quelque chose qui a probablement n'a pas été dans les priorités des premiers plans maladies rares. Donc, avec les kinés, avec les psychologues, les assistantes sociales, on essaye aussi de favoriser l'inclusion scolaire, mais également les formations professionnelles et l'inclusion professionnelle des personnes que nous suivons avec des MOC, des maladies osseuses constitutionnelles. Valérie a cité la transition, qui est une part importante, qui a été également améliorée depuis 15 ans, avec ces consultations. Alors d'abord, en fait, la transition, ce n'est pas juste un moment, une consultation, c'est toute une période où on va peu à peu reparler avec le jeune et ses deux parents de son histoire, des points marquants, essayer de lui faire apprivoiser aussi ce suivi médical pour qu'il puisse s'impliquer au mieux et poursuivre en se connaissant de mieux en mieux dans le monde des adultes qui est différent du monde pédiatrique. Et donc, c'est une période d'à peu près 2 ans où par les points abordés pendant les consultations, par la rencontre des futurs spécialistes qui vont le prendre en charge à l'âge adulte, et puis cette fameuse consultation de transition qui est un peu le pivot qui se passe dans l'hôpital d'adultes, mais où nous allons, pour l'accompagner jusqu'au seuil de cette nouvelle structure, on a essayé de favoriser cette période délicate. On est aussi en charge de l'accompagnement des grossesses pour les personnes porteuses de MOC. Voilà, donc ça, ce sont quelques illustrations des principales activités
de la prise en charge MOOC. Et j'ajouterai un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la diffusion des connaissances. Donc, on a évidemment un site CR.MOOC où vous avez accès au calendrier de suivi et à toutes nos journées annuelles et à nos réunions. Et puis, on a mis également en place un enseignement spécifique, un diplôme universitaire dédié au MOOC pour faciliter l'accès aux connaissances et justement améliorer les expertises. Et on a environ une quinzaine de participants à ce diplôme depuis qu'il a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc un réseau élargi de spécialistes MOOC très important et on se connaît très bien, ce qui fait qu'on a, des référents dans beaucoup de villes et qu'on a un vrai réseau et un vrai maillage national avec qui on échange très facilement. Je crois qu'on a fini. Ouais. Voilà, en mentionnant peut-être les associations qui sont nos partenaires vraiment majeurs. Majeurs, oui. Vous êtes, voilà, les associations sont notre booster, celles qui nous donnent le cap et de collaborer, de travailler, d'échanger régulièrement sur les différentes pathologies, sur les personnes, les familles, le patient, mais également ses parents, les frères et sœurs, sont également extrêmement importants pour nous. Absolument. On a fini l'exposé. Oui. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Dans ce cas-là, je vais poser un groupe de questions. Julie avait plusieurs questions concernant l'onchodromatose. Alors, elle veut savoir à quel rythme ça évolue. Est-ce que c'est en dents de scie? Est-ce qu'il y a des paliers? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce qu'il est risqué de les opérer? Pour l'onchodromatose métabolique, combien y a-t-il de cas recensés? Et enfin, y a-t-il un traitement en cours ou des espoirs thérapeutiques? Alors, l'onchodromatose, ça regroupe plusieurs types de maladies. Donc, c'est difficile de répondre à la question de façon uniciste parce que c'est une description. C'est une description d'onchodrome, donc c'est une prolifération. Tout dépend de la maladie spécifique. Il y a certaines formes d'onchodrome qui disparaissent spontanément, d'autres qui évoluent au cours de la vie. Donc, ça nécessite en tout cas une prise en charge dans un centre de référence avec une visite annuelle en génétique pédiatrique et en orthopédie. C'est très difficile d'avoir une réponse généraliste à cette question puisque, encore une fois, derrière ce terme, vous avez différents groupes de maladies. Et il n'y a pas d'essais cliniques ciblés aujourd'hui sur les onchodromes, mais on est plutôt dans la perspective de mettre en place une base de données assez exhaustive. On est plutôt au niveau des registres et des bases de données. Et puis, c'est évidemment la première étape pour ensuite envisager d'autres perspectives. Et puis, la prise en charge, elle peut être chirurgicale. Mais là encore, c'est une discussion auprès du chirurgien orthopédiste qui a l'habitude et qui est expert. On a une autre question sur la fibrodysplasie ossifiante progressive. Une personne qui souhaiterait savoir où en sont les recherches et les avancées médicales. Alors, la FOP, qui est une pathologie ultra rare, a effectivement, depuis 5-6 ans, une activité de recherche clinique assez importante, préclinique et clinique, avec un certain nombre de molécules qui sont en voie de développement. Mais nous sommes encore vraiment au début de ces étapes de développement de nouveaux médicaments. Avec aujourd'hui, il y a 4 molécules qui sont essayées dans des phases cliniques, donc chez les personnes FOP. Une molécule qui est en phase 1, c'est-à-dire chez des personnes non FOP, mais des humains, et puis plusieurs molécules en préclinique. Toutes ces avancées sont extrêmement lentes, de trouver les bonnes doses, sans effet secondaire ou le moins possible, et une efficacité démontrée dans une pathologie dont l'évolution est en plus extrêmement variable d'une personne à une autre. Et c'est là peut-être une des difficultés les plus importantes, c'est d'arriver à démontrer l'efficacité dans un temps court entre guillemets, pour les familles, mais aussi pour les compagnies qui ont besoin d'avoir ces éléments pour poursuivre, alors qu'on sait que la pathologie par elle-même, il y a des phases où elle est active et puis des phases où, au contraire, elle est très calme. Et donc, de savoir si c'est l'évolution naturelle de la pathologie ou le médicament qui apporte le bénéfice constaté, on est dans avec des évaluations qui vont être extrêmement fines.
ça prend du temps. Donc, oui, il y a de la recherche. On est aujourd'hui avec un médicament qui devrait avoir ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation fin 2021-2022, qui est essayé depuis 6 ans, et puis d'autres molécules qui sont derrière, mais qui, pour lesquelles on est encore tout au début du développement clinique. Donc, il y a de l'espoir, mais la route est encore longue. Alors, merci beaucoup. Une remarque d'abord de Sonia Guillaume, qui est administratrice pour Un défi de taille, qui dit « Très heureux et touché d'être vos boosters, vous l'êtes tout autant pour nous ». Et du coup, une question de Christelle qui demande « Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler du coût de ces essais thérapeutiques et du prix de ces traitements pour les patients et les familles ? Merci. » C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Mais qui est très importante pour les questions de santé publique. Oui. Il faut voir que, justement, ce sont des pathologies rares. Donc, il y a une organisation. D'abord, il y a tout le travail préclinique. Laurence Legémalet vous a dit « Découverte du gène de la chondroplasie, 1994 ». Et les premiers essais 2014, 20 ans, 20 ans d'investissement. Et donc, il y a eu différents passages par des start-up, par des boîtes qui ont racheté. Donc, il y a tout un coût qui est obligatoire juste pour la partie, on va dire, préclinique les premiers essais chez l'homme. Et ensuite, les essais cliniques dans les maladies rares sont très chers. On est avec une organisation... Voilà, sur plusieurs sites, on a dit tout à l'heure, de différents pays, donc qui sont extrêmement lourdes, avec des vérifications, avec des tout est pris en charge. C'est pas la sécurité sociale qui paye le développement de ces médicaments. Et on a parlé de 10 ans hein, de développement, donc ça coûte très cher. Et donc c'est pour cela que les médicaments qui sortent vont être également très chers pour un certain temps, parce que c'est des choses qui sont extrêmement légiférées et accompagnées. Avec des instances internationales, européennes et nationales qui travaillent de concert justement parce qu'elles ont compris l'importance du développement du médicament dans les maladies rares. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Depuis une dizaine d'années, on va dire. Oui. Alors, on a une autre question relative à l'attente du diagnostic. Mmh. Qu'est-ce qui explique parfois la longueur du diagnostic. Ouais. Alors, j'imagine que c'est le diagnostic moléculaire. Donc, dans les maladies osseuses constitutionnelles, nous, souvent, on a une forte suspicion diagnostique sur l'examen clinique et c'est sur les radiographies de squelette. Donc, on va décrire les radiographies, on dira, par exemple, l'atteinte vertébrale. On a déjà quand même une vraie suspicion. Après, on a l'habitude de demander un diagnostic moléculaire parce que c'est important d'avoir une confirmation moléculaire et c'est vrai que le délai d'attente jusqu'à présent est de l'ordre de 6 mois parce qu'en fait, on a mis en place un panel, différents panels de gènes qui sont ciblés sur une porte d'entrée, donc soit anomalie de croissance, donc c'est un panel qui est plutôt chondrodysplasie, soit sur anomalie de condensation ou fragilité osseuse. Donc, on a des panels ciblés en fonction de la porte d'entrée. Et comme on voit finalement beaucoup de patients, comme on est centre d'expertise, il y a un délai d'attente pour le rendu de ces résultats moléculaires de l'ordre de 6 mois. La nouveauté, c'est que, comme je l'ai dit au début, on a maintenant accès à ce qu'on appelle une pré-indication maladie osseuse constitutionnelle dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. Et donc, on peut, même si ces études moléculaires sont normales, après proposer un complément d'exploration dans des indications ciblées. Mais là encore, on aura un délai de 6 à 12 mois. C'est inhérent aux analyses moléculaires qu'on fait. C'est difficile pour nous aussi. Parce que c'est vrai qu'on aime bien, on aimerait bien rendre un diagnostic moléculaire 15 jours plus tard, puisqu'on a notre suspicion diagnostique, on accompagne. Et puis, c'est particulièrement important, évidemment, quand la question d'un biopsie prénatale moléculaire se pose. Donc, on a des situations où on a un panel qui est dit d'urgence, où on sait qu'il y a une urgence parce qu'il y a une grossesse en cours, parce qu'il y a une demande de conseil génétique, on essaye d'accélérer. Mais on met au minimum, de toute façon, 1 à 2 mois, et c'est dans des indications très, très précises. Merci. On a Marie-Luce qui demande quelles avancées pour le traitement de la dysplasie polyéphysaire. C'est une question. Il y a des avancées chirurgicales. On est vraiment dans l'amélioration de la prise en charge chirurgicale avec
un diagnostic qui est fait tôt, enfin, c'est vraiment, il y a une vraie amélioration dans la prise en charge. Après, il n'y a pas de perspective thérapeutique moléculaire immédiate, mais il y a des équipes qui travaillent, en particulier sur COMP, sur un des gènes. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les collagénopathies, le collagène de type 2 et COMP. Et donc, si ces essais cliniques, ces essais précliniques et ces essais cliniques voient jour, la dysplasie épiphysaire est hétérogène, mais certaines sont dues à une anomalie du gène COMP, d'autres à des anomalies du gène COL2. Donc, il y aura des retombées pour l'ensemble des dysplasies. Donc, on est plutôt au stade préclinique. Mais il y a des essais et pour les collagènes de type 2 et pour COMP. Autre question, doit-on effectuer ou pas le vaccin contre la COVID quand on est atteint de la FOP? Non. Alors la réponse est claire, elle est non. Non, parce que c'est un vaccin par voie intramusculaire et qu'on peut déclencher une poussée, une série de poussées. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de l'efficacité du vaccin contre le Covid par voie sous-cutanée. Donc, à ce jour, ces mesures barrières, c'est vaccination des proches, mais ce n'est pas, pas de vaccination chez les personnes FOP. On rappelle que la FOP par elle-même n'est pas une pathologie qui va prédisposer à une forme sévère de Covid. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et de façon plus générale sur les vaccinations, on a rédigé un petit rapport sur la filière santé maladie rare OSCAR pour remettre un peu en place les situations où les indications de vaccins semblent importantes et d'autres où il n'y a pas de légitimité. Donc, vous pouvez avoir accès à ces conseils sur le site de la filière OSCAR. Lana, autre question, souhaiterait savoir quel est le devenir pour les enfants atteints de DSE. Dysplasie spondylo-épiphysaire, ça dépend de la forme. Alors, la difficulté des maladies osseuses constitutionnelles, c'est qu'il y en a 467. Hein, on est dans une vraie variabilité de manifestations et on est dans des variabilités d'évolution en fonction du diagnostic exact. Donc, tout dépend de la forme de la dysplasie spondylo-épiphysaire. Après, c'est de toute façon une prise en charge orthopédique régulière et des consultations dans les centres de référence régulièrement. On a un parcours de suivi qui est quand même beaucoup plus clair aujourd'hui dans la dysplasie spondylo-épiphysaire. Progénitale. Après, l'une des missions du centre de référence, et c'est ce dont on a parlé au début, c'est d'établir des calendriers de suivi spécifiques à chaque maladie. Donc, on a publié un calendrier de suivi pour la chondroplasie, un calendrier de suivi pour l'ostéogenèse imparfaite, et on a comme volonté de publier des calendriers de suivi pour des groupes de pathologies. Donc, la dysplasie spondylo-épiphysaire en fait partie, en particulier la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale, qui est quand même la plus fréquente. Mais c'est vrai que les dysplasies spondylo-épiphysaires congénitales, on sait comment les suivre. Les autres, il y en a beaucoup. Et pour les personnes atteintes de cette forme congénitale, est-ce qu'elles doivent se considérer prioritaires dans la vaccination Covid? On revient encore sur la insuffisance respiratoire. S'il y a une insuffisance respiratoire, ce qui est très possible dans la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale, c'est ce qu'on a mis en fait dans vos écrits sur la filière. L'insuffisance respiratoire est une indication à la vaccination. D'accord. Une question de Rémi. Bonjour, où en est-on de la recherche sur la molécule palovarotène sur les exostoses multiples? Ma fille fait partie de la recherche. C'est une question difficile. Malheureusement, le palovarotène a été arrêté dans la maladie des exostoses multiples. C'était une perspective thérapeutique. On a participé à l'essai clinique. Mais comme le disait Geneviève en début d'exposé, on est toujours extrêmement prudent quand on participe à un essai clinique, parce qu'on va mesurer la tolérabilité, les effets secondaires et l'efficacité. Et dans le cadre du palovarotène et de la maladie des exostoses multiples, il y avait un effet sur le cartilage de croissance. Et donc, cet essai clinique a été arrêté. Donc, on lance des essais cliniques, mais comme le disait Geneviève, c'est toujours extrêmement bien surveillé en raison toujours de cette possibilité d'effets secondaires et d'absence de tolérabilité. Donc, on n'est jamais sûr qu'on ira jusqu'au bout d'un essai clinique. Alors, on peut juste rajouter qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire chez les personnes traitées pour cet essai-là, exostose multiple.
ça a été dans une autre pathologie et à des doses qui faisaient que du coup on craignait pour les exostoses multiples. C'était de la prévention finalement. À aucun patient, absolument, tu as raison, des quelques patients qui ont été inclus, il n'y a eu aucun effet secondaire. On a arrêté de toute façon assez rapidement. Et juste pour compléter, pour rassurer, il y a vraiment un travail préclinique qui est en cours, ceci dit par des équipes aux États-Unis qui travaillent justement sur les exostoses. Parce que j'assure. Justement, on a une question plus générale sur ces exostoses multiples, de savoir quelles sont les dernières recherches en cours et s'il y a d'autres perspectives. Alors, il y a d'autres perspectives thérapeutiques, ouais. Indépendamment du palovarotène, avec d'autres approches. Mais là encore, on est au stade des essais précliniques, on n'est pas au stade des essais cliniques. Et le but, c'est d'éviter la prolifération. Voilà, et pour compléter, c'est qu'il y a eu beaucoup de grosses difficultés à établir des modèles récapitulant la pathologie humaine. C'est pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Voilà. Et là, il y a un bon modèle murin qui est très important pour tester les drogues. Alors, une autre question, mais concernant la maladie Ollier, y a-t-il un traitement en cours? Si oui, dans quel pays? Et êtes-vous en relation avec les autres pays pour l'élaboration d'un éventuel traitement? Alors, il n'y a pas de traitement en cours. Il y a des idées, de perspectives thérapeutiques pour limiter également les proliférations, en particulier en raison des bases moléculaires qui sont impliquées dans l'Ollier. Et oui, on est en relation avec les autres pays. Je vous rappelle qu'on fait partie du réseau européen BOND, et puis on fait partie également d'un réseau international qui s'appelle l'International Skeletal Dysplasia Society. Donc, on se connaît tous très bien. On collabore, heureusement. Et Vanessa nous demande quelle est la meilleure marche à suivre si on suspecte la maladie d'Ollier chez une petite fille pour sa prise en charge. Quelle démarche? Consultation dans un centre de référence du réseau. Il va y avoir l'organisation du suivi de cet enfant, comme évidemment chaque personne évolue différemment. On met en place un parcours de suivi avec l'implication des différentes personnes. Souvent, il y a un coordinateur qui est le généticien clinicien du centre de référence ou du centre de compétences et un orthopédiste. Et puis, d'autres spécialistes peuvent être requis. On essaye de minimiser les éléments, les radiographies, mais en même temps, aujourd'hui, nous avons l'avènement de EOS, qui est une nouvelle technique radiographique et qui permet justement une surveillance intéressante chez les enfants. Et puis l'IRM également, qui a des nouvelles fonctions et qui est aussi extrêmement intéressante dans la surveillance de l'Ollier. Et on est en train de rédiger un PNDS pour l'Ollier de la même façon qu'on est en train de rédiger un PNDS pour la maladie des exostoses multiples. Une question sur le sujet des traitements antidouleurs. Une personne qui se demande ce qu'il en est actuellement, parce que ces enfants souffrent beaucoup au niveau osseux. Ils ont une pathologie dysimmunitaire non étiquetée, avec des neuropathies, des petites fibres, une ostéite, lupus, ostéoporose sévère. Et voilà, il nous demande ce qu'il peut faire au niveau du traitement de la douleur. Alors, peut-être que ce qu'on peut dire, ce qui a changé ces dernières années dans les traitements de la douleur, c'est qu'il y a maintenant des équipes douleur, différentes appellations dans tout ce qui est soins et accompagnement de la douleur, avec justement une partie d'évaluation, d'apprendre à l'enfant, alors assez jeune, mais il faut quand même avoir une certaine maturité, à bien s'évaluer, à bien analyser cette douleur et d'où elle vient. Et ensuite, dans les techniques d'antalgie, on sépare aujourd'hui tout ce qui est antalgie médicamenteuse et antalgie non médicamenteuse. Ces antalgies non médicamenteuses qui comprennent la sophrologie, la relaxation, l'hypnose et d'autres techniques qui entrent maintenant à l'hôpital sont des vrais outils pour la douleur chronique. Et on essaie de toujours différencier la douleur aiguë, où là on met des médicaments, et la douleur chronique, où on essaye d'utiliser ces techniques non médicamenteuses, à cause justement des effets secondaires de ces médicaments et du fait que ce sont des pathologies avec des douleurs au long cours.
Et donc, on essaye aussi de parler plutôt de confort, d'inconfort. On essaye, dans cette analyse, de voir quels sont les facteurs déclenchants et d'être plus en prévention. Et d'utiliser également des outils comme le TENS, comme des orthèses, différentes ressources qui peuvent aussi diminuer ces sensations douloureuses. Donc, il y a encore du chemin, mais il y a quand même, vraiment ces dernières années, une amélioration de la prise en charge de la douleur. Et en tout cas, une meilleure écoute. Marie-Luce nous demande si il est possible d'avoir une prise en charge en ALD pour les maladies osseuses constitutionnelles. Bien sûr. Alors, ça dépend des pathologies. Ça dépend des pathologies. C'est très personne dépendante, ouais. Et il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que un tel qui a la pathologie A eu une ALD acceptée que une autre personne avec la même pathologie va l'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui en fait, c'est selon le niveau de soins et le niveau de demande d'exploration complémentaire. Et le type de maladie osseuse. Et puis, d'un département à un autre, on voit aussi des disparités, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre. Voilà, et on est là pour ça, justement, pour essayer de faire valoir tout ce qui est reconnaissance lorsqu'il y en a besoin. Oui. Alors, Julie, sur la maladie de Dollier, pourquoi attendre la croissance pour opérer et donc la déformation ? Dans la maladie d'Ollier, pourquoi attendre la croissance pour opérer ? Alors, pas qu'on attend la croissance, c'est qu'on sait qu'elle progresse tout au long de la croissance. Donc, on veut éviter d'opérer plusieurs fois. Donc, l'idée, c'est si on opère une fois, l'encodon peut réapparaître. Donc, l'idée est d'opérer assez tard, de façon à ce qu'on soit tranquille et qu'on n'ait pas à réintervenir. Et les interventions ont lieu quand il y a déformation ou douleur. On ne va pas opérer systématiquement s'il n'y a aucune manifestation. L'exemple, par exemple, c'est l'allongement. Oui. Si on allonge quand il y a une asymétrie, il peut y avoir des asymétries. Si on allonge quand l'enfant a 5-6 ans, il y a déjà des asymétries, il va falloir recommencer quelques années plus tard. Donc, on essaie de trouver le bon milieu. Mais par contre, il n'y a pas de dogme par rapport aux exostoses multiples où on essaye vraiment de freiner le temps de l'intervention. Dans l'Ollier, on peut être amené à intervenir assez tôt. Vraiment, c'est situation et personne dépendante. Ouais. Et consultation d'expertise. Hein. Et c'est ça, je crois, la phrase clé, c'est que ce soit fait par des personnes, des chirurgiens qui aient l'habitude de ces pathologies. De centres de référence, de compétences, en fait. Parce qu'on est dans des maladies rares, donc tout le monde ne peut pas être expert. Et c'est ça la vraie difficulté. Et c'est pour ça qu'on a des staffs hebdomadaires où on peut discuter, en fait, de cela. Alors, deux questions relatives plus au nanisme. Une question de Julien, le nanisme est-il toujours causé par un problème osseux ? Alors, on n'utilise pas tellement le terme de nanisme. On imagine que c'est trouble de la croissance. Non, il y a d'autres formes de nanisme qui sont d'origine endocrinologique, si on n'a pas assez d'hormones de croissance. Donc, sous le terme de nanisme, il y a une vraie hétérogénéité de causes. Donc, il y a éventuellement le trouble de la croissance des ovules, mais on peut avoir une cause endocrinienne, il y a d'autres causes possibles. Donc, tout n'est pas en rapport avec un défaut de croissance des ovules. D'accord. Et justement, cette personne parlait aussi des ovules. Est-ce que les os plus courts sont touchés de la même façon que les ovules ? Je posais la question. Alors, ça dépend des maladies osseuses constitutionnelles. Oui, tout dépend de la... En fait, il y a des gènes qui s'expriment différemment. Et en fonction du gène qui est touché, on peut avoir soit plutôt l'avant-bras, le bras ou tout. C'est vraiment dépendant du gène en cause. Alors, on va poser peut-être deux dernières questions pour terminer. On en a encore deux. Est-il prévu un PNDS pour la DSEC ? Les patients, oui. L'association Un défi de taille sont motivés pour aider. Oui. Petit commentaire. Oui. Après, on est obligé de hiérarchiser. C'est beaucoup, beaucoup de travail, les PNDS. Donc, on voudrait avoir fini les PNDS en cours avant de postuler pour la dysplasie spondyloépiphyseale congénitale, c'est sûr. Et collagénopathie de type 2, on en a parlé avec Geneviève, c'est le prochain sur la liste. Mais on n'a pas encore fini ceux qui sont en cours. Donc, on veut être raisonnable et être sûr de publier ceux pour lesquels on s'est engagé. Mais collagénopathie de type 2 et dysplasie spondyloépiphyseale congénitale sont prévus absolument.
en partenariat avec l'association. Oui, bien sûr. Absolument. On est bien d'accord. Ouais. Merci d'être là. Voilà, ils vous répondent qu'on est au taquet. Autre question, maman et enfant auront-ils la même forme de dysplasie polyéphysaire avec les mêmes atteintes? Moi, le général, c'est le problème de la génétique. La variabilité familiale, elle existe pour toutes les maladies. Après, en règle générale, on est à peu près dans le même cas, mais c'est difficile d'être formel et permontoire. On nous demande de préciser effectivement ce qu'est un PNDS. C'est un petit bouquin qui reprend pour des médecins non spécialistes, pour les familles, qu'est-ce que c'est que cette pathologie, quels sont les signes, quelles sont les complications attendues possibles, et ensuite sur le plan de la prise en charge, quels sont les différents intervenants, quels sont les examens complémentaires nécessaires et suffisants, quels sont les outils thérapeutiques, et puis en annexe, il y a beaucoup de documents justement avec les liens avec l'association, les adaptations à l'école, les adresses du réseau du centre de référence et tout ce qui peut servir au diagnostic et à la prise en charge de cette pathologie. Alors c'est pour ça que c'est assez complexe, parce que ça doit s'appuyer sur ce qu'on appelle la littérature médicale. Et donc, il y a une revue, ce qu'on appelle un argumentaire exhaustif des 15 dernières années de tout ce qui a été publié sur le sujet, puisqu'il faut qu'on s'appuie sur des choses démontrées. Et on va valider ou non, on va donner en fait un poids plus ou moins important aux différentes publications. Et c'est tout ce travail préliminaire d'analyse de la littérature qui est assez longue et qui doit en plus être... on va dire que se coordonner avec notre propre expérience et ce qu'on n'a pas pu publier, mais qui est connu grâce à toute l'ancienneté de ce centre de référence. Donc, il y a un groupe de travail et ensuite un groupe de relecture. Il y a donc toute une procédure pour l'écriture de ces PNDS assez stricte et qui en fait la lourdeur, mais aussi la qualité. Et enfin, dernière question, y a-t-il un document à fournir à son médecin traitant concernant la FOP? Car le médecin traitant est la première personne que l'on contacte en cas de problème, mais il se heurte à un problème de connaissance. Il y a plusieurs documents. Il y a d'abord un document à destination du médecin traitant qui est disponible sur le site de la filière Oscar, qui est un document de présentation de cette pathologie et des événements intercurrents, notamment les poussées. Il y a Orphanet Urgence FOP qui est sur le site d'Orphanet. Il y a un document également qui est en anglais mais qui va être probablement traduit par l'association. Il y a beaucoup de documents sur le site de l'association FOP France, et le document dont je parlais, c'est le document de référence d'un groupe international de médecins impliqués dans la prise en charge. Alors, c'est aussi une sorte de méga PNDS qui fait 130 pages, mais où les problématiques sont envisagées avec des éléments de réponse. Donc oui, en tout cas, le plus important, et on est à la disposition d'ailleurs des auditeurs si besoin pour leur donner s'ils ne trouvaient pas, il y a un petit document qui a été refait il n'y a pas longtemps qui est la présentation de cette pathologie, les choses à ne pas faire, et puis la prise en charge des poussées. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin de cette webconférence. Donc, merci beaucoup pour vos interventions et merci à vous derrière vos écrans de nous avoir suivis. On vous invite à rester avec nous pour la prochaine webconférence si le sujet vous intéresse, sur la génétique des maladies, transmission, conseils et tests. Et pour les autres, on vous souhaite une excellente journée et un bon dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.